Salut les amis, c'est sur un jeu de cette nouvelle vidéo pour vous remercier d'être 44 abonnés sur ma chaîne. Donc, je vous montre le chat, je ne montre pas le vidéo, anniversaire. Genre, il y a deux secondes, j'ai diminué la musique parce que c'est un peu fort. Voilà. Donc, je n'ai pas G-Star Victory versus tout d'abord parce que j'ai vu que One Piece DBZ passe l'info 5.0. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la chaîne. Je voulais faire des gameplays sur G-Star Victory et j'ai trouvé que ce serait plus amusant pour vous de regarder les gameplays entre Luffy et Sangoku, entre un univers et un autre, que de regarder mes vidéos sur ça. Parce que j'aurais été sur PS Vita et sur PS Vita, franchement, je n'aurais pas su avoir de vidéos d'excellente qualité. Donc hop, on va se retrouver avec le premier coffret One Piece volume 2 de Thriller Bark. Donc c'est de l'épisode 441 à 355. Donc je vous le montre. C'est un très très beau coffret avec on y avait un petit cadeau que je vais vous montrer directement. Donc vous êtes en 4 Nakama sur ma chaîne et j'ai décidé que l'emblème. Donc peut-être que je vais changer l'icône de ma chaîne alors là. Ce sera le drapeau de, si vous reconnaissez, vous m'entendez, de Gecko Moria. Je trouve que c'est un très 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 bon drapeau. Donc ce sera notre icône de chaîne à partir d'aujourd'hui. Donc je l'ai eu avec notre coffret. On peut voir qu'il est mis Kana avec l'édition qu'il a produit. Après, on se retrouve avec... Si je vous dis 500 questions, si je vous dis quiz, si je vous dis manche, si je vous dis One Piece, vous me disiez 500 questions de One Piece. Hop, donc j'ai le livre 500 quiz book One Piece Get Lost. Donc c'est un très très bon livre, hein, comme vous pouvez le voir. Il n'est pas aussi gros que ce que je pensais, mais il est magnifique. Donc on se retrouvera aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je ferai 3 questions de One Piece. Donc si vous voulez, je vais peut-être vous piocher une question maintenant et je vais essayer de répondre. Donc au hasard, je ne sais pas. Hop, ici. On va prendre la première question qui est... hop, bien qui est temps parce que officiellement une entreprise de démolition. La Franky Family est surtout une belle bande de malfrats. En comptant Franky, ses effectifs s'élèvent à 51 membres. Donc, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vraiment 51 membres? Moi, je dis que oui, car ce sont vraiment les 51 membres. Donc, si vous voulez, je vais vous lire un autre. Mais je ne comprends pas parce qu'il n'y a pas vraiment d'endroit où on poserait une question. Bon, voilà, on va lire celui-là. Question 80. Non, on va lire la question 500 plutôt. Hop. Ah, en fait, il n'y a plus 500 questions. Il y en a 519. Qui révèle au monde l'alliance entre Kid, Apu et Hawkins? On entend vous. Trafalgarant. On peut voir dans un épisode, malheureusement je ne sais pas vous le remontrer, sauf si je trouve l'image, donc c'est possible que je la mette maintenant, enfin à la fin de la vidéo. On peut voir que Trafalgar Law montre qu'au journal il y a une alliance entre Kings, Apu, Kid, pardon, Apu et Hawkins. Donc je vais chercher une autre petite question. Quel est le rêve de Franky? Tout simplement, faire le tour du monde avec le Thousand Sunny. Allez, bon, vu que c'est assez bien, on va faire une autre question. Ah, voilà. À Impel Down, quel est l'objet donné par Luffy à Baggy? Je vous laisse 5 secondes pour répondre en commentaire, parce que je trouve que c'est une question importante. Non, je rigole. Donc voilà, je pense que les 5 secondes sont passées. Donc c'est son bracelet qu'il avait trouvé. Je rappelle, dans un trésor, donc c'est le bracelet qu'il avait là. Comme on pouvait voir à... allez, comment on appelle ça? Ah ouais, à Sabondi. Donc malheureusement, je n'ai pas de temps où on pourrait le voir. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
Normalement, aujourd'hui, je dois poster une autre vidéo où je répondrai à 20 questions One Piece. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner et à commenter. À la prochaine fois. Merci.